Il centro ELIS è un complesso di servizi educativi finalizzati alla formazione professionale ed umana dell'individuo. Per questo il centro ELIS dal 1964 propone corsi di formazione professionale a ragazzi giovani dai 14 ai 25 anni. L'associazione Centro ELIS è anche organismo non governativo, opera da moltissimi anni in tre continenti in particolare, in Asia, in America Latina e in Africa. Che cosa fa l'associazione Centro ELIS in questi tre continenti? Propone corsi di formazione professionale, iniziative tese alla promozione della donna, cerca di spingere le persone a creare imprese. L'ONG ELIS ha progetti in corso in Colombia, Costa d'Avorio, Vietnam e Camerun. Il progetto Formazione e Sviluppo di PMI a favore delle donne di Yaoundé è un'iniziativa promossa dall'Associazione Centro ELIS in collaborazione con il partner locale APF ed è finanziata al 50% dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L'APF, l'Association pour la promotion de la femme, est une association camerounaise à but social non lucratif. Elle reconnaît le rôle fondamental des ressources humaines pour le développement du pays. Nous avons comme objectif, d'un côté, contribuer à la formation et à l'éducation de la jeunesse et à la promotion de la femme camerounaise, créer des nouvelles structures de formation technique, promouvoir aussi la santé de base. L'APF a déjà eu plus de 4000 bénéficiaires directs. Deux structures principales de formation. L'une, c'est un centre de promotion sociale de la jeune femme et l'autre, c'est un centre de formation professionnelle pour la femme qui s'appelle Sorawel. L'obiettivo principale del progetto è quello di favorire l'inserimento occupazionale di donne più o meno giovani, promuovendo soprattutto l'autolavoro femminile. Il marché dell'emploi non è sviluppato. Il marché dell'emploi dell'État è saturé, ma c'è ancora dell'espace per la creazione delle entreprises. Le donne funzionano soprattutto nell'agricoltura e nei métiers informels. Elles n'ont pas une formation pour avoir des entreprises. Il progetto prevede una formazione nel settore della creazione e gestione di impresa, la quale si affianca a un supporto amministrativo e finanziario all'avvio di nuove attività imprenditoriali femminili. Les femmes qui ont des projets ne trouvent pas dans les grandes banques les financements. La formazione prevede un corso intensivo in avvio e gestione di impresa della durata di 6 mesi. Si cerca di agire non solo e soltanto su quelle che sono le competenze delle donne, quanto piuttosto sull'atteggiamento mentale. Elles ne sont pas pragmatiques, c'est la principale difficulté qu'elles ont. Parfois elles veulent faire des choses qui ne sont pas très cohérentes avec la réalité. Al termine della fase formativa, le donne che hanno partecipato al corso presentano un business plan. I business plan sono valutati da un apposito comitato. Quelli ritenuti migliori beneficiano del finanziamento attraverso il fondo di rotazione istituito dal progetto. Le résultat se voit. On voit des personnes qui n'avaient rien au départ, qui commencent à avoir une petite autonomie financière. Et puis on a des personnes aussi qui étaient très fermées, qui étaient chez eux, qui avaient perdu tous les espoirs et qui recommencent, qui redonnent vie à leur existence. Grazie. Una volta ottenuto il finanziamento, i business plan si trasformano in concrete realtà imprenditoriali. Dans un chômage parce que j'ai eu à faire le commerce pendant quelques années, mais j'ai été victime des coups de vol, ce qui m'a découragée et j'ai laissé. Avant que je ne commence la formation sur Rawel, je n'avais pratiquement rien à faire. À force de la sceller, elle est venue assister au programme entreprise.
elle a appris avec ça à sortir de la maison et à avoir une très grande autonomie financière. Ça me donne de quoi vivre et c'est vraiment rentable. Seulement pour ça, je suis très contente de travailler pour le programme d'entreprise. Le programme d'entreprise pour moi était une façon de vouloir alors réaliser mon rêve qui était d'ouvrir une quincaillerie. Je voulais être un manager et non être soumis à un patron. Je voulais moi-même exercer ma propre activité. Ça m'a chassé du stress de la maison. Ça m'a chassé de beaucoup de choses dont j'étais victime quand je restais à la maison. Le attività avviate sono generatrici di reddito e di occupazione. Emma prima mi aveva che lei mi ha permesso di esercitare una sorta di métier. Grazie a Soarel, ils ont formé un élément et l'élément aussi m'a aussi formé. Molte delle attività avviate hanno assunto una dimensione familiare. Rosetta, ad esempio, lavora nella sua impresa di produzione di champignon insieme al marito. Nous avons suivi la formation par le ministère de l'Agriculture. Ce qui nous faisait vraiment défaut, c'était la gestion. Je m'occupe plutôt du domaine technique. Et puis comme elle a eu une formation, maintenant elle va s'occuper des ventes, des recettes, des dépenses. J'étais parmi les premières personnes, on nous appelle les musiculteurs, les premières personnes à pouvoir cultiver les champignons au Cameroun. Cette activité, honnêtement, représente beaucoup pour moi parce que c'est une opportunité de pouvoir être active, de pouvoir aider aussi certaines personnes puisque j'embauche deux personnes dans l'entreprise. Et ça m'a aidé à avoir un gagne-pain aussi, de quoi satisfaire mes besoins, de quoi aider un peu ma mère. J'ai un bac en IH, industrie de l'habillement. Après mon bac, j'avais l'ambition de vouloir ouvrir une maison de couture. Aujourd'hui, j'ai ouvert ce cyber que voici pour pouvoir avoir ma maison de couture plus tard. Je parviens à me faire mon argent de poche toute seule, à payer une partie de ma scolarité et en même temps, j'essaie d'économiser pour pouvoir avoir ma maison plus tard. Au début, je suis venue, j'avais l'intention de faire décoration. Mais après la formation que j'ai eue, j'ai appris à faire du chapeau, les bandeaux. Oui, je suis très content. Et cette formation qu'il a eue, je ne m'attendais pas à la voir s'épanouir comme ça. Et je lui apporte mon conseil parce que j'ai fait le marketing. Puisqu'elle fait la technique, et il faut maintenant qu'elle apprenne à vendre son produit qu'elle fabrique. J'ai choisi de faire dans l'agroalimentaire, la transformation des produits laitiers. On se dit toujours que quand on a fini l'école, on a les diplômes, on doit être dans un bureau. Or, c'est pas toujours ça. Donc, j'ai donc réfléchi. Je me suis dit que oui, si j'ai fini mon master et que je ne trouve pas du travail, est-ce que je vais croiser les bras? Non, il va falloir que je fasse une activité entrepreneuriale. Ça m'a marqué parce que chaque fois elle ne se décourage pas. Donc chaque fois elle est là le matin, elle se lève tôt, elle avait ses jus, elle vend ses jus, elle ne perd pas le moral. Ça c'est un exemple à souvenir. Après 3 mois, l'activité a commencé. Donc les entrants ont commencé. J'ai pu faire le premier remboursement. Donc je sais que ça va marcher. Je fais la pisciculture. Elle consiste à... J'ai creusé des étangs et j'élève des poissons. On a creusé les étangs. J'ai aussi acheté les poissons parce que ça coûte cher. Puisque j'ai acheté plusieurs variétés. Bana eni bukamba
et Benny Bougambaye. Dakar anglais, Benny Bougambaye. Tout à l'anglais, Benny Bougambaye. Dakar anglais, Benny Bougamba. La formation entreprise m'a permis de réaliser un peu ce projet que j'avais depuis l'enfance. Mon activité consiste à l'approvisionnement et la vente des produits halieutiques. J'ai fini les constructions du bâtiment. J'ai acheté une batteuse, un laminoir, tous les appareils qui sont là à l'intérieur. L'activité, c'est l'élevage des olacodes, des hérissons. J'étais ambulante et je faisais aussi un peu d'élevage. Mais là, je n'avais pas beaucoup de poulets. L'activité consiste à acheter la matière première, le maïs, le blé, le concentré, le poisson, les arachides, et puis pour fabriquer la provende. J'ai travaillé dans l'informel, donc voilà. Ça m'a permis de sortir de l'obscurité. Il progetto ha ottenuto il supporto delle istituzioni locali, in particolar modo dei municipi di Yaoundé, che hanno incoraggiato molte donne a partecipare al corso attraverso l'erogazione di borse di studio. Je suis allée à Sorawel à travers la mairie. Donc un jour j'allais vendre ma marchandise et arrivé là-bas, monsieur le maire m'a proposé de faire un tour à Sorawel et c'est comme ça que je suis allée. Mon maire a m'ha soutenu, il m'ha accordé une bourse d'études. La formazione per l'avvio e la gestione di impresa è fondamentale per garantire il successo e la sostenibilità futura delle imprese create. Je suis venue à Sorawel pour pouvoir agrandir mon activité. Dans l'école, on n'avait pas une formation académique pour faire les affaires. On faisait les affaires intuitivement. Oui. Je m'étais lancée dans une petite activité du call box et ça n'a pas marché parce que je ne connaissais pas gérer les finances. Avant de venir à Sorawel, je ne savais pas comment faire les comptes et les employés aussi, parfois je les changeais presque tous les jours. Je n'avais aucune notion sur le marketing, comment chercher des clients, comment attirer des clients. Après maintenant le programme entreprise maintenant, je suis en même de bien structurer mon activité. J'ai appris la comptabilité. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? À tous les niveaux, sur le plan financier, sur le plan même du personnel. Je sais déjà comment bien garder l'employé. Comment me comporter moi-même en tant qu'individu? Comment gérer mon entreprise et gérer ma propre vie? Attaquer le marché lorsqu'on a un produit à vendre. Et puis comment monter aussi un business plan? Je peux mieux gérer ma production et je peux mieux gérer les finances. Séparer la comptabilité de la maison, la comptabilité de l'entreprise. Donc maintenant, on sait en fonction de notre temps planifié. Telle c'est pour l'entreprise, telle autre c'est pour la maison, l'autre c'est pour les enfants. Maintenant, j'ai la possibilité de résoudre des problèmes dans la famille, de programmer quoi. Disporre degli strumenti concreti per la buona gestione di un'impresa incoraggia le donne a fare progetti per il futuro e ad espandere la loro attività. J'aurai e peut-être même à l'avenir construire une autre, agrandir. Nous voulons diversifier les activités. Nous croyons que si ça marche, on peut faire ça en entreprise familiale. Et pourquoi même pas faire un restaurant spécialisé au Lacôte? Quello che il progetto intende fare è diffondere la cultura del lavoro e fare in modo che le beneficiarie del progetto, le donne così formate, possano trasmettere e diffondere ulteriormente il concetto di cultura del lavoro. Il lavoro può essere vissuto in maniera soprannaturale, può avere un significato regale, può dare piena dignità alla persona. Qui ha cambiato la vita di tante donne. La culture du travail, c'est quelque chose qu'on doit inculquer
aux femmes et aux enfants. Même la culture du travail, c'est fondamental. Tu ne peux pas croiser les bras et prétendre manger, tu vas aller voler. Quand tu n'as pas la culture du travail, tu vas demeurer dans la pauvreté. Quand tu n'as pas la culture du travail, tu ne vas pas chercher à te former, à devenir meilleur. Non si regalano dei soldi. Il finanziamento che viene dato alle piccole e medie imprese non è un regalo, è un'opportunità che deve essere guadagnata. Et vous avez une obligation d'abord morale de pouvoir payer votre aide au moment venu. Parce qu'une autre promotion aura besoin de ça. Et si nous, ça se limite à nous, c'est comme si on était un peu égoïste et on n'aimerait pas que les autres en bénéficient aussi. Formation, là, elle est très importante. Parce que ça permet d'abord à quelqu'un qui prend de l'argent de savoir gérer cet argent et de connaître la valeur de l'argent et de ce qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'on dit que notre pays est corrompu, mais qu'on peut être des hommes d'affaires droits et que ça va marcher. Quindi ecco che il lavoro assume una dignità e assume quindi una dimensione diversa. In questo senso il progetto persegue la cultura del lavoro, ossia non un regalo ma uno sforzo per guadagnare l'autonomia e l'autodeterminazione al proprio sviluppo. Oltre alla formazione e al supporto per la creazione di impresa, il progetto prevede il rafforzamento istituzionale della controparte locale e il potenziamento delle attività del centro di formazione professionale Sorawel. C'est un centre de formation professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie et restauration orienté vers l'emploi. La caractéristique la plus essentielle, je crois, c'est la formation intégrale, le suivi personnalisé que nous cherchons à accorder à chaque participante. Pour nous, l'attention à la personne est le point essentiel. Ce que nous voulons, c'est transmettre des techniques, bien sûr, mais surtout mener ces personnes à une maturité professionnelle. Faire de ces jeunes filles des agents socio-économiques actives qui puissent jouer leur rôle. Évidemment, toute cette formation est ouverte à toute personne sans discrimination de culture, de religion. Grazie al modello pedagogico adottato, Sorawel è considerato dalle istituzioni locali un punto di riferimento e un centro di eccellenza nel campo della formazione professionale. E noi pensiamo che Sorawel ha apportato un plus, una contribuzione decisiva per la formazione di queste giovani persone che elles-mêmes vont créer des entreprises qui sont génératrices de revenus e créer de petits emplois locaux. C'est une noble initiative qui nous permet de pouvoir compléter les formations des femmes. Parce que nous sommes un centre de l'État et ce que nous ne pouvons pas offrir aux femmes ici, nous le pouvons à Sorawel. Il y a un problème de formation professionnelle. Plus de 80% des jeunes ici sont sans emploi. Les politiques sont là, mais les moyens ne suivent pas ces politiques-là. Il y a la politique de la femme qui est bien définie. Il faut éradiquer la pauvreté à la base. Il faut soutenir la femme dans l'entrepreneuriat. Les femmes contribuent énormément à la bonne marche du ménage. Les ménages où les femmes sont actives, les enfants vont à l'école, les enfants vont à l'hôpital, les enfants se soignent, ont une éducation qui est acceptable. On oriente les femmes là-bas depuis un certain nombre d'années et elles sont très satisfaites. Il progetto rappresenta un'effettiva opportunità di promozione della donna, che diviene un soggetto attivo dello sviluppo. L'esperienza dimostra che molto spesso le donne hanno difficoltà ad uscire dalla marginalità sociale ed economica in cui si trovano, non solo per la scarsità di mezzi a disposizione, ma anche e soprattutto per la mancanza di fiducia. Avant Sorawel, je me disais que je ne pourrais jamais faire quelque chose comme ça avec Sorawel. J'ai un peu eu confiance en moi. Le programme d'entreprise est une école qui offre la chance à tous ceux qui n'ont pas eu assez de moyens pour peut-être vouloir s'épanouir, qui n'ont pas pu trouver du travail.
c'è un'alternativa al presente, si può lottare per avere quell'alternativa. E questa è la molla dello sviluppo, il saperlo immaginare. La tendance au Cameroun, c'est que c'est les femmes qui sont même en train de tenir l'économie même du Cameroun. Beaucoup d'hommes ont perdu leur emploi. Et comme les hommes sont facilement découragés, alors les femmes ont pris un peu la relève. Les femmes sont vraiment très dynamiques. Les femmes sont devenues très entrepreneurs au Cameroun. J'ai toujours pensé que quand une femme est autonome, elle parvient à réaliser de très grandes choses. Si une femme a une activité, elle parvient à s'opposer dans la société. Elle peut s'imposer dans la société. Je voudrais dire merci à Sorawel au nom des femmes. Très satisfait de la formation. Oui. Très utile. Très utile. Très satisfait. Merci. Je remercie profondément le partenariat italien. Merci. Je vais dire aux femmes qu'elles n'hésitent pas à aller à Sorawel. Donc je dirais d'aller là-bas et connaître ce qui se passe à Sorawel. Sorawel élève le niveau des femmes. Sorawel change nos vies. Sorawel transforme les vies des femmes. Si tout le monde s'y met avec la volonté, on peut avoir vraiment un pays qui avance. Et si les femmes s'y mettent, le pays peut vraiment avancer. Si la fin du monde arrive, que nous soyons les leaders. Nous savons que quand la femme veut, Dieu le veut aussi. Parce que ce sont les femmes qui sont la pièce maîtresse du développement. Of humility, our soul is gracefully packed and sold. Times tick, turn the meek to bold, elevating our spirit to a height much to perplex arrogant's might. Cause now, Ziazazi, Reziba, we know it. Ti ricordo che sono la tua datrice di lavoro. Ti ricordo. Allora, ripeto per l'ultima volta. Per le. Non, pas français.